Bienvenue chez MetaBrain Research. Nous sommes une société de biotechnologie. Et chez MetaBrain Research, nous recherchons des nouvelles thérapeutiques pour le traitement du diabète, de l'obésité, de la maladie d'Alzheimer. Et en tant qu'entreprise responsable et travaillant dans la santé, tout naturellement, nous avons mis la protection de l'environnement au cœur de la stratégie de notre entreprise dès sa création. Nous sommes vraiment très heureux aujourd'hui d'avoir reçu ce prix de l'environnement qui en fait récompense notre investissement dans la gestion des déchets qui est évidemment une priorité pour nous puisque nous savons que nous générons beaucoup de déchets qui parfois peuvent être dangereux dans le monde médical. Et ce que nous avons proposé, c'est un système de logigramme qui est très visuel, qui est très facile à utiliser et qui permet à tout un chacun dans l'entreprise, que l'on soit biologiste ou chimiste, d'identifier extrêmement rapidement le type de déchet auquel on a affaire et de le trier, de le placer correctement dans le réceptacle qui va permettre son élimination et bien évidemment son recyclage. Et nous avons fait ce projet en collaboration avec une consultante de la société Advixis Prévention qui nous accompagne dans toute notre politique de protection de l'environnement. C'est fondamental pour nous d'avoir reçu ce prix puisque en tant que jeune entreprise, on a évidemment des tas de priorités et en particulier des priorités économiques. Et reconnaître ou avoir reçu la reconnaissance de cet investissement est quelque chose de clé pour nous dans notre stratégie d'entreprise.